Avec quoi? Prêt pour le départ? Ouais. C'est clair. Seulement oui? Ouais, on est go. Ben, en pleine forme, on va bronzer. Y'a pas de problème, quoi. En de mer? Ouais, ben, j'espère qu'on va bien marcher et puis voilà. Action, hein, parce que... Il est au coup de soleil. Jessie, un petit mot avant de partir. Ben, bonjour, je pars en montagne et puis voilà. Qu'est-ce que tu vas chercher en montagne, Jessie? De l'eau de glacier. De l'eau de glacier. Pour qui? Pour les enfants. Ouais, les enfants du camp, quoi. Pour terminer, pour compléter la potion magique. Bon, on a la petite fiole et tout. Je sais pas ce que vivre. Ça va. Je veux l'accrocher. Soyons motivés, 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 motivés. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté. Le chemin a été très très long pour moi et très cardiaque aussi. Allez, maintenant je vais manger parce que j'ai faim. Au revoir. Tu me montres un peu le refuge là. Montre le refuge. Il n'y a pas d'électricité dans ce truc. Où est-ce qu'on dort? Ok, par ici. On a tout le refuge pour nous. Pourquoi enlever mon pied? Donc c'est des, dortoirs. On va le mettre en dessous et puis des lits superposés. Tiens, il y a aussi un playboy qui va s'asseoir là-bas, je crois. Oui. Je suis pas sûr, mais. Et toi, pas trop dur, Coco? Non. T'es prêt à recommencer? Redescendre, ouais, c'est sûr. On s'est refait pour le plaisir, hein. La descente, hein, mais je monte jamais. C'est horrible, quelle souffrance quand même. C'est super, hein, top plane. Ouais. Je fais bien chaud et tout. Et j'ai faim, je tombe. Est-ce que les couvertures sont bien rêches? Oh, non, ça va, c'est un menteur quand même, Dominique. Ouais. T'imagines, on aurait pris notre panier à coucher. Dominique, je pense que tu as une tendance un peu mythomane, c'est-à-dire à raconter des caramels mystérieux. Car ce ne fut pas dur du tout. C'est comme si je me promenais à Rhinov. Oui. Et au niveau du logement, je pense que c'est. Ça ouais, c'est carrément des. C'est des couettes quoi. C'est le Hilton ici. Moi je dirais que c'est. Regardez-moi ça, il y a les petits polochons, ça va se battre. Bien. Le tonnerre ce soir. Ça commence bien. Vous avez déjà frappé. Très contente. Il n'y a même pas de tartine. Il n'y a pas de tartine. Elle beurre, on sait jamais si ça va être. Il n'y a pas de tartine. Vas-y,
un peu d'eau. Moi, hier, j'avais. Tu réclames pas la boule. Non. Parce que moi, je vais dormir le lendemain, je suis loin. Attends. La boule. Ouais, le toutou, s'il te plaît. Allez, merde. C'est quoi ce sucre? Là, c'est pas les dents ou... C'est clair. Ouais, c'est sur un plan. Allez, on y va là. Oh, c'est bon, on y va. Marche. Toujours prête. Il y a quelqu'un qui a fait tomber. Hein. Oh Manu! Manu il fait des trucs. Attention! Yo! Putain! Voilà. Oh, quel malin! Ça c'était bon. Bravo Guirec! Les pieds! Ouais. Tu vois qu'il n'y a aucun problème. Hein. À toi. Ok, remonte et tu vas faire encore 15 c'est fois. Moi. Pichou. Pichou life! Bon, vous faites quoi là? Putain! On va essayer d'enterrer cette pioche. Alors, on va faire un trou de la longueur. Nous avons tellement marre de ce qu'on va l'enterrer. On en a vraiment marre. Mais... Explique un peu le principe. La poêle, je la mets vers le bas. Ouais. Si, pas la mettre comme ça, c'est vraiment con. Mettons-la comme ceci. D'accord. Au moment où il y a une corde qui doit être tenue, qui va nous soutenir nous aussi. Une sangle quoi. Comme ça on enterre après la pioche. Ici. On enterre en longueur. On va faire de la corde. Une corde, c'est un moyen. Bonjour Coco. Salut. Êtes-vous prêt? C'est sûr. Que faites-vous pour le moment? J'en sais rien, mais bon, on va vite savoir. Êtes-vous prêt pour la mission qu'on vous a ordonnée? C'est sûr. Ça. Vous avez été choisi par les meilleurs. Ouais. Car vous êtes les meilleurs. Je sais. Donc. On espère que vous allez ramener la fiole remplie de ces dos de glace. Mais bon, ça on compte sur Nicky. Ouais, on compte aussi sur lui. Mais où est-il? Où est-il? Nicky, enlève ton doigt. Des questions. Voici Sébastien. Sébastien, bonjour. Bonjour, bonjour Nicky. Quelle est votre mission? Ben, notre mission est de rapporter de l'eau sacrée au camp. Pour qui? Bah, pour les druides, pour faire de la potion magique. Ah bon? Oui. Elle serait une fiole qui viendrait de l'eau déglacée qui manquerait à cette potion magique. Oui, oui, c'est cela, c'est cela. Vous avez été choisi par les meilleurs, vous le savez. Car vous êtes les meilleurs. Ah. Vous formez une équipe. Bon, je crois que ce sera tout, vous n'avez plus rien d'autre à dire. Non, non, sauf qu'il fait un peu froid. Ça va? T'as compris? Vous pouvez changer les rôles? Ok. Moi j'aimerais bien voir Guy et Two Life encore. Vous voyez? Est-ce que ça va? D'accord. Thibaut. Oui. Nadia. Comme ton côté, un petit côté mental. Des mental, hein. C'est bien le type d'à côté, mais... C'est vraiment qu'ils avancent pas. Au niveau des fesses... C'est pas vrai. Ils sont là depuis là, donc oui, c'est... Non. Alors, ils connaissent pas les Russes? Inconnu au bataillon, donc j'ai hâte de retourner à Rue-Neuve, au Drogopéra et d'aller poser en ville. Au niveau du fromage, ils assurent. La gamme de Halouf ici, elle est fort poussée. Le cochon, ça y va.
J'ai pas encore vu de beaux morceaux, de beaux garçons. À part, ils sont tous mariés, je crois. Ils sont tous mariés. Et sinon, j'ai beaucoup de poils qui poussent en dessous des bras. C'est un peu crapuleux. Mais je ne trouve pas de gilet par ici. On dort comme des ronis, c'est-à-dire le terme ronis comme des clochards du midi. Tous ensemble. Il y a le nouveau Christian Dior qui vient de sortir, qui s'appelle Guy. C'est excellent, c'est ce move. Et j'ai rien d'autre à dire. J'espère encore bronzer, bien sûr, et être en vie demain. Voilà. Ah, vas-y. Voici la grosse gueule de Guy. Rebonjour. Nous avons eu un dîner assez bon, mais le déjeuner. Arrête de bouger la tête. Laissez tomber. C'est de la merde. Des trucs tout séchés, en poudre et tout. Franchement, laissez tomber. Merde. Laissez-moi manger quelque chose de comestible. C'est tout ce qu'on demande. Merci. Oh, là, c'était ta vie. T'es mieux, là. Si tu as la jambe, attends-toi. Ah, non. Oh, oh, oh. Grand bleu demain. C'est pas un film. Grand bleu demain. Grand bleu demain. Il y a rien de vrai. Bon, crabe quelqu'un. Grand bleu. Guy a l'air de bien. Hein. Niki, qu'avez-vous pensé de ce dîner? Franchement, c'était un dîner pas comme les autres. Je ne peux dire autre chose que ça. Je trouve qu'on m'interviewe beaucoup ces temps-ci, mais je suis le parleur quand même. Détaille ce dîner. Couscous, mélangé avec des bananes secs, raisins, un truc du corps, quoi. Du corps d'alpiniste. Hein? Ah ouais, c'est sûr. Enfin, en bref, c'est tous les aliments dégueulasses, secs. Tout à fait. Merci. Et voilà où nous allons monter, où nous allons sacrifier nos vies. Là, c'est pas les dents blanches, oui. C'est clair. Moi, je suis sur un blanc. Regarde les gonzesses. Bon, c'est pas... Non, on est mort. Je crois qu'il y a un petit peu de pantalon, là, ouais. Sébastien. C'est parti. Oh, quelle chouette. Avant que ça ait fini. Ah hey, attends, là, on tourne pas de X hein, ici. Là. Sérieux, frère. Les films d'horreur. Ouais. Je prends une cassole de fleurs, t'as le droit. J'aimerais dire quelque chose. Je n'ai pas dormi de la nuit. Une avalanche ou quoi? Tu veux les marmottes? Non. Eh dame! Eh, tu exagères, hein, caméraman. En fait, il y a de la lumière. Hein. Qui a le droit?
surnomme Robert mon frère. Niki, Coco et moi, non. Martine. Oui, moi, je veux bien, merci. Bon, Martine. Ok, tu peux te déchargé. Moi plus jamais, plus jamais. Moi non plus, je veux pas dire. C'est bon là. On ne bougez pas là. Yeah. Attends, il faudrait quand même qu'il y ait une petite. Attends, attends. Ne bougez pas. Je passe devant tout le monde. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Julia? C'est pas. De la clique des alpinistes, on se ramène jusqu'au paradis. De la clique des alpinistes, on ramènera le meilleur des mix. Ouais! Alpinix! C'était bien, mon gars! C'est la première! Allez! Attention, nous allons avoir une liaison de Patrice! Ah! Patrick! Attention! Oh, grand Patrice, nous sommes au sommet! Enfin, quoi ? Niki, un petit mot là. Niki, va voir comment tu fais. Ouais, ça va, c'est bien. C'est pas trop dur ? Non, pas du tout. Mais c'est normal. Fatigué là ? Hein ? Fatigué ? Un peu. Pas dormi de la nuit. Non ? Non. C'était la nuit qui était dure ? Ouais. Fais prendre les lunettes, s'il te plaît. On était à combien dans la chambre ? Mais non. Dans la chambre tout à l'heure ? On était à 22. 22 ? C'était terrible, quoi. Et là, la vue est belle, non ? Ça valait la peine. Aujourd'hui, j'avais pas beaucoup de choses à dire. C'est tellement beau. Ouais. Un moment de solitude pour ce beau truc, c'est bien. Pichou ? Oui ? Alors, c'était pas trop dur ? Non, pas du tout. Et ça fait quoi d'être là au-dessus ? C'est sensationnel. On voit le mont blanc, on voit toutes les montagnes. C'est beau, la neige. On met tout l'eau, tout le cul. Ok. Ouais. Toi, ça te fait on ça. Va, Patrice. Moi, je trouve ça dément. On a de la chance pour le temps. Hein. Ouais. C'est de grands beaux sons. Et puis, c'était chouette comme ça, 5 cordées. Ouais. Levez tous une grosse bise de Patrice. Ouais. C'est magnifique. La vue est splendide. Les efforts valaient le coup. Et même si je suis fâchée contre toi parce que tu as filmé, je suis sûre que dans un an ou deux, je serai très contente que j'ai filmé ça. Et voilà, ce fut un réel plaisir. Ouais, j'espère redescendre en vie et bien bronzée. Et voilà. Et Julie, ça a été ? Julie ! J'ai envie de vomir. Ça, c'est un bon signe, ça veut dire que tu es en pleine santé. Non, mais ça va. Ça va ? Cool ! Comment il fait beau, et Jessie ? Non, je peux bien du tout. Tu veux manger quelque chose ? Non, je vais me doucher, je vais dormir. C'est problème de jeune femme. Ah. Oui, Ludo ? On est au sommet, là ? Oui, là, comme vous le voyez, mon cher David, nous sommes au sommet, nous sommes presque à la fin de notre mission. Nous allons aller récolter. C'est Dominique. Enfin, nous avons trouvé le glacier sacré pour notre potion qui se trouve là derrière. Et nous allons aller chercher l'eau, nous les druides. Et, nous avons marché beaucoup pour venir jusqu'ici. C'est 3206 mètres. Et nous nous sommes levés très tôt ce matin à 3h30 du matin. Et j'y vais à dormir, pas assez. De toute façon, on y va tous, il n'y a pas que ce qui est. On ne te parle pas du coucher, on te parle du paysage. Et là, t'es prêt à descendre ? Ouais, je voudrais bien quand même rester un peu pour creuser. Ouais. Voilà, ouais, c'est bien. Franchement, on a une belle vue et tout. C'est bon. Ça glissait pas trop en montant ? Non, franchement, non. Aujourd'hui, c'était assez tenu. Oui ? Ouais. Coco, un petit mot quand même.
C'est ainsi qu'ils ont eu l'eau et ils ont réussi leur mission. Et ils sont contents. Ils sont jeunes, dynamiques. Ils sont forts. Ok, bonjour. Voici la BBC venue de Londres pour interviewer le guide en chef de l'expédition Chamonix. Comment s'est passée l'expédition jusqu'à présent? Ça s'est très très bien passé. Alors là, je crois que l'on peut remercier le soleil qui est là avec nous, mais aussi le dieu Chamonix. D'accord. Alors, bon, nous voyons ici vraiment ça a l'air d'être la réussite. Quels sont d'après vous les éléments qui ont vraiment fait que c'est une telle réussite? Je pense d'abord que c'était la préparation tout à fait minutieuse depuis une année. Depuis une année certainement, puis pas plus, parce que dans la tête de certains, c'était déjà depuis bien longtemps. Mais ce qui a surtout fait la résolution, je pense, c'est l'entrain de tout le monde. D'accord. Et ici, c'était une expédition avec des alpinistes qui n'étaient pas encore très expérimentés. Comment avez-vous trouvé leur niveau dans les difficultés techniques? Alors, on s'est bien entraîné hier dans des difficultés techniques, très techniques. Aujourd'hui, c'était un peu moins technique, mais c'était... l'altitude, et là tout le monde a bien suivi, il n'y a pas eu de problème. La preuve, c'est qu'on est tous au sommet. Un petit mot pour dire que nous sommes vraiment heureux d'avoir participé à un tel événement. Ouais. Et je crois que nous allons marquer sur la glace de nos crampons quelque chose d'éternel. Et si la vie est un long silence, ben, aujourd'hui on était heureux d'avoir partagé ce silence avec vous et avec le Mont Blanc qui est juste derrière nous. Là, comme vous le voyez, c'est l'interview de Ludovic. Et comme vous le voyez, il y a le Mont Blanc, il y a la neige, il y a le ciel bleu, le soleil. Et il y a surtout notre drapeau qui est planté juste là au sommet de cette, on va dire, de ce mont. Et c'est très beau, il fait très chaud, un peu de vent, ça fait du bien. Bon, je vous laisse. Salut Dominique, ça va ? Là, comme nous sommes là, nous allons rentrer à Bruxelles, la ville des flammes. Hein, yeah. Les flamands, hein, qu'est-ce que tu veux, les flammes. Hein. Allez, à tantôt. Allez-y, c'est bon.
Eh oui, faut le dire. C'est toute une heure, comme de rentrer ici, comme de se coller pour la frontière. C'est la pisse, je suis à l'autre.